Et bonjour à tous, c'est Béronard et bienvenue sur ce nouvel épisode. Eh bien écoutez, on reste dans l'eau. On reste dans l'eau puisque j'ai vu voilà un basilo ici que j'ai débarrassé de toutes ces petites bêtes. Du coup, on va aller le tamer. J'ai pris 540. Attendez. Putain. Alors ça m'agace toujours ce truc. Déséquipé. Ah putain. Allez, en attendant, il est où le machin? Là. Allez. Du coup, je vais rester pas loin. Pas qu'il s'en aille. Non, tu restes là. Je veux pas que t'ailles là-bas. Là-bas, il y a les requins. Voilà, tu retombes là-bas, c'est bien. Alors, sur Dododex, ils me disent qu'il me faut 9 kibbles exceptionnels. Ah, oh, putain, il y a vraiment ta. 9 kibbles exceptionnels et j'en ai pour 8 minutes. J'en ai pour 8 minutes. Alors j'aime pas trop ça avec des rébentas qui reviennent. Je suis concentré, c'est pour ça que je dis pas grand chose. J'essaye de me mettre là parce que je veux pas qu'il aille là-bas. Je veux qu'il reste dans le coin. Je veux qu'il reste par là. Elle a encore faim, enfin elle n'a pas encore faim, je veux dire. Oh merde, il y a deux raimentas dessus, quoi. Elle n'a pas encore faim. Il y a mon dauphin, mon requin là. Les raimentas ne me font rien pour l'instant. Je fais des coupures, je pense.
femelle 140. Ah, il est là. Je me dis, putain, il est où mon requin? Putain, il y en a trois maintenant de... De raies. Ben, il faut attendre combien de temps? Je pense qu'après, elle va manger beaucoup, enfin, elle va manger un peu plus que... Parce que là, pour l'instant, j'ai juste... mon requin, là. Et j'ai le nombre de raies qui augmente. C'est long, c'est long, c'est long. En attendant, le coin est relativement calme. La touche du bois. Par contre, il y a de plus en plus de raies autour. Oh, putain, mais c'est quand qu'elle veut remanger? Ah ouais, d'accord. Ah. Putain, dès que j'ai eu nourri le truc, les raies, elles me sont sautées dessus. Oh merde. Ah putain, puis j'ai tout pris, j'ai plus de trucs. Oh.
Ah, cette merde! Ah, alors ça, c'est les boules, ça. Putain. Alors ça, c'est un peu les boules. Il faut que j'y retourne. Oh putain. Je savais pas que les mantas attaquaient dès que tu donnais à manger. Avant de t'attaquer si tu t'approches trop du basilo. Ah non, mais moi je m'approchais, hein, mais en fait il t'attaque dès que tu lui donnes à bouffer. Faut toujours tuer les mantas avant de lui... Bah ouais, mais je l'avais fait, mais petit à petit elles revenaient. Ouais, c'est normal, t'en as qui pop. Le basilo il peut pas, entre guillemets, vivre sans les mantis, les mantas, donc. Donc en fait, il faut les tuer au fur et à mesure, c'est ça? Ouais. Ah putain, mais je savais pas ça. Ah, fais chier. Allez, je suis revenu. Il est revenu. Là, ça va aller un peu plus vite. J'ai pas perdu l'efficacité, j'ai tué les mantas qui étaient autour. Et j'ai l'impression que là, du coup, il les veut... un peu plus. Et au niveau efficacité, là c'est vraiment plus récent, enfin plus souvent. Ce bordel, quoi. Il est où? Il est où? Là je le perds pas, là. Là je ne le perds pas. Oh putain, là ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Pourvu qu'il n'y ait pas d'autres mantas qui spawnent. Il est au mont. Il est où là? Il est là. Normalement, j'y en donne encore deux. Normalement. Galodon, je le laisserai là. T'as pas encore faim? Maintenant, allez, 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 t'as faim, dis-moi que t'as faim. Non. Parce que là, il mange encore juste une fois. On n'a jamais été aussi près, hein. Oh, on n'a jamais été aussi près. C'est pas possible. Allez, la dernière qui bulle. Last one.
Non, 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 tu me suis. Voilà, voilà, tu me suis. Allez, on va vite le mettre dans la Pokéball. Hop. Activer le suivi. On va le mettre en passif. Et dans la Pokéball. Et un Basilo 141. Et ben. Bon, en fait, ça a été moins dur que l'autre. Dans le sens où j'avais pas toutes les. J'avais pas tous les cons à mes trousses. Et c'est celui-là que je vais rentrer. Puisque celui-là, j'ai vite pris. C'est un dont je me sers pour la repro. Voilà. Hop. On va le mettre là, parce que j'aime pas trop les avoir sous la main. Au niveau de ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La viande. Hop. Allez. Bon, ben, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, bah, on va se reprendre. Là, je rentre tranquillement. Bon, allez, je... J'espère que je vais pas avoir trop de surprises à la con. Attends, lui, il a gagné un niveau. Je vais le mettre ici. Waouh. Et là, franchement, c'était épique. Hein. Là, c'était épique. Par contre... Ouais, je vais passer comme ça. Je vais laisser près du radeau, parce qu'il faut que je ramène tout le monde. Et j'ai que 2 Pokéballs sur moi. J'en ai pas 40. Allez, pousse-toi la tortue. Donc, je vais le laisser là. Voilà, super. Et ben... C'était chaud, hein, c'était chaud. Du coup, je me suis... Heureusement que j'avais un peu de comment dire, d'avance, pour me faire une autre tenue rapide, parce que j'avais tout. En fait, j'avais tout pris. Et là j'étais un peu mal, quand même. Hein. J'étais un peu mal. Allez, on va ramener les 2 trucs. Bon, bah c'est cool. Bon, allez, mon premier alpha. Oh putain, il y a un autre requin qui vient s'en mêler. J'espère qu'il n'est pas trop level. Bon, il tape pas super super fort, hein, mon Basilo pour l'instant. Au niveau vie. Bon, il tape un peu plus souvent que le Mégalodon alpha. Commence à saigner ou pas? Pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Lui met du 50, moi j'ai mis du 150, 3 fois plus. Est-ce qu'il a 3 fois plus de vie que moi? Je ne sais pas. Ce qu'il faudrait, c'est que je me cale à un endroit. Il a du mal à m'atteindre. Taper mes fondations non plus. Là. Voilà, c'est vrai. Voilà. Et là, on va taper quand même. Un peu moins quand même. Ah, là je suis pas mal là. Là, il est coincé. Il me tape moins souvent. Enfin, c'est une vie. Ouais, il me tape moins souvent là. Non, ça va pas, reste là. Il tape un peu mes fondations.
Là, il est bien, là. Il est bien positionné, là. Ah, non. Bon, au niveau vie, ça va. Ce que c'est 57, c'est moi. 91, ça doit être les fondations. Je sais pas combien il y a là, mais ah, il commence à saigner. Il commence à saigner. Ça va le faire. Ça va le faire. Là, il est un peu coincé. On va y arriver. Bon, j'avais un comment dire un alpha 15, niveau 15, mais lui il est 130. Et il va quasiment aussi vite que moi. Voilà, il est coincé. Bon, il arrive à me taper quand même. Et moi, je vais bientôt être fatigué. Enfin, je reprends ma stam. Allez, on reprend la stam. Tant pis, s'il me tape. Ouais, on reprend la stam assez vite. Allez, c'est reparti. Ouais, il saigne bien là. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Ouais, 130. Oh la vache. Wouhou. Eh ben, j'ai pas un petit sac, non, je sais pas. Ouf. Eh ben, c'était chaud, hein. C'était chaud. Allez, on va le rentrer à la maison. Hop, on va fermer la porte. Je vais regarder parce que j'ai peut-être un petit requin là qui... Ouais, j'en ai un là. Je suis en train de faire mes repros de requins aussi. Avoir 250. Alors allons-y. Il a la vie, il a l'énergie, il a la bouffe, oui. Il a des dégâts. Oh putain, il a pas l'attaque. C'est pas grave. C'est quoi? C'est un mal. J'ai dit qu'il avait quoi? Il me manque l'attaque. Ah. Énergie, nourriture, dégâts. Est-ce que c'est ce que j'ai? Vie, énergie, nourriture. Ah là, j'ai vie, nourriture, énergie, poids. Du coup, il faudra que je joue avec une autre. Il faudra que je joue avec une autre femelle. Bon, celui-là, je vais le garder. Je le garde. Allez, putain, c'est chiant en dessous. Allez. Activer la promenade. Passif. Et désactiver le suivi. Ok, donc là on va arrêter la repro. Désactiver l'accouplement ici aussi. Tac. Du coup, lui, on va le faire grandir. On va le faire grandir. Hop, putain. Mon dieu, quoi. C'était moins juste, hein. C'était moins juste. Bon, j'en avais une quand même de rechange. Tac. Allez, on va lui prendre un peu de bouffe. Voilà. Du coup, donc ça, il me manque les dégâts. Je la couplerai. Je la couplerai avec une femelle. J'ai celle-ci. La vie dégâts ici. Et ben, je la couplerai avec celle-ci.
je vais la mettre là. Là, c'est mon coin d'accouplement. Hop, du coup, celui-ci. Celle-ci, elle bouge. Pour l'instant, je les garde. Et le mâle, pareil. Le mâle, enfin celui-là. Comme c'est un mâle que j'ai sous l'eau. Sinon, il a du mal à se déplacer. Ok. Bon, ben voilà, il n'y aura plus qu'à appliquer à coupler ces deux-là. Je vais regarder mon basilo. Du coup, il a dû monter, bien monter de niveau. Je vais me remettre à la surface, sinon. Oh, 21 niveaux. Ah la vache. Du coup... Ah ouais, ça joue quand même. Du coup, là, je vais le monter à... 30 000. Ici, énergie... On va se mettre à 2000. 2000 d'énergie et le reste dans l'attaque. Cool! Je récupère ce qu'il y a.